Bonjour à tous, merci d'être venus aussi nombreux pour la conférence avec Monsieur Salmon. Alors tout d'abord, laissez-moi vous parler de quelque chose, c'est que cette conférence est un peu spéciale, car c'est la première de notre équipe 2016. Donc avant de vous présenter l'invité, je vais vous présenter l'équipe d'Isegoria 2016 en charge des conférences. Ils sont au nombre de 5. Il y a tout d'abord l'énergique Claire Vitney, le condottiré Henri de Montmarin, l'élégant Julien Hubert, l'espiègle Théodore Nicolas, et toute cette belle équipe est présidée par la pétillante Mathilde Tiffry. Mais quel serait ce pôle sans son importante équipe de communication, dirigée par le bel Alban de Poulpiquet, et aidée à la réalisation vidéo par Marie Béchet, Jeanne Berthe, Claire Vallat et Pierre-Alexandre Louis. Merci donc à eux et à toute l'équipe d'Isegoria 2016 pour cette conférence et pour celle à venir. Un tonnerre d'applaudissements s'il vous plaît. Vous imaginez-vous partir demain sans téléphone portable, laissant amis et famille pour un pays inconnu, avec nul autre bagage que celle des réminiscences littéraires accumulées au gré des lectures? Partir, malgré les peurs, les pleurs de votre mère sur le pas de votre porte et les espoirs sceptiques de vos amis? Mais, vous diriez-vous, cœur obstiné n'a pas d'excès si ce n'est la conquête de sa destinée. Partir, ainsi le réclameront votre sang, votre cœur et votre âme. Vous étiez de cette jeunesse trépidante, monsieur Robert Salmon, quand en 1958, vous êtes parti découvrir l'Inde. Son Mahabharata, décrit dans les magnifiques pages du Siddhartha d'Hermann Hesse, et sa vitalité unique, se balançant entre la longueur de l'Indus et l'éternité des neiges de l'Himalaya. Mais le prisme de notre époque empêche notre esprit de s'imaginer pleinement ce que représentait un tel voyage. Ah, à cette époque, pas de selfie en face du Temple d'Or en espérant glaner 200 gemmes, ni de McDo à New Delhi en cas de nostalgie culinaire occidentale, et encore moins de boîte de nuit au cours duquel un patriotisme exalté renaissait à l'écoute d'un « Alors on danse » de Stromae. Non, c'était une autre époque, où les cultures, quoique communicatives, restaient solidement enracinées à leur terre, à leur mythe et à leurs rêves. C'était un voyage différent. Voyager, découvrir. Voyager encore pour découvrir de nouveau. Tel était le Robert Salmon de ses 20 ans. Un Rabot en action, un Chateaubriand délaissant l'Amérique du Sud pour l'Asie du Sud-Est, un Dumézil sorti de sa bibliothèque parisienne. Mais hélas, il fallut gagner sa vie. Mais était-ce une raison suffisante pour cesser les voyages et les rêves, comme si seule la parenthèse feutrée de la jeunesse autorisait les fêtes et les découvertes, la joie et l'ouverture à l'autre? Non! Décidez à nouer d'un même fil d'or vos besoins matériels et vos recherches spirituelles. Monsieur Robert Salmon, vous êtes rentré dans une jeune entreprise française désireuse de s'exporter à l'international et à l'aventure naissante, L'Oréal. Et à l'âge où beaucoup s'émerveillent autour de la naissance de leur deuxième enfant, vous accouchiez d'un bébé d'une autre nature, la direction de Lancôme. Vous aviez une mission, implanter les parfums de L'Oréal auprès des populations asiatiques et d'Europe de l'Ouest. Une mission à la sémantique fortement commerciale, certes, mais à la réalité vibrement humaine. Imaginez comment une Indienne et une Chinoise, pétries de leur culture, de leur goût spécifique, pourraient-elles s'entendre sur un parfum commun? Comment l'épice indien pourrait-il se marier à la crevette chinoise? Aucunement. Ce n'est pas aux différences de changer, mais à la mondialisation de s'adapter, de se personnaliser. Et c'est cela que j'admire chez vous, monsieur Salmon, c'est qu'il y a 30 ans, vous aviez déjà perçu l'autre mondialisation. La terrible, celle qui fait des traditions ancestrales une tare, celle qui digère mal la diversité des cultures et qui, au profit de quelques calculs mercantiles, impose une uniformisation de l'humanité. Cette conception économique récente qui veut nous faire croire que l'homme n'est qu'une rationalité économique transposable partout dans le monde, à condition, tout de même, de le faire passer dans un sas culturel. Rien n'est plus faux, vous nous l'aviez montré. Et c'est en comprenant que l'avenir de la mondialisation était dans le respect des mœurs locales que vous aviez réussi à faire de vos voyages et de vos expériences une réussite économique française aux retombées époustouflantes pour notre pays. Qui s'étonne aujourd'hui du succès de L'Oréal dans le domaine des cosmétiques? Pourtant, il y a encore 30 ans, rien n'était sûr. Parier sur un modèle de consommation de masse tout en gardant l'étiquette du luxe était un pari risqué, mais il a été un pari gagnant. Vous êtes donc, monsieur Salmon, un modèle pour les jeunes réunis dans cette salle, et les moins jeunes, désireux de rencontrer quelqu'un qui n'a pas fait de sacrifice de sa quête spirituelle sur l'autel de la benoîte tranquillité pécuniaire. Un modèle pour tous ceux en mal d'aventure et qui se disent « Pourquoi pas ? Pourquoi pas moi ?» Vous en apportez une réponse vivante. Monsieur Salmon,
Je me hâte de finir car il me tarde de vous écouter. Parlez-nous de cette aventure écrite dans votre livre « De L'Oréal à Lhasa, itinéraire d'un iconoclaste », de ses difficultés quotidiennes et de vos réussites. Réenchantons ensemble, vous et le public, et Isegoria, l'aventure et le voyage, le goût du risque et celui de la vie, de la culture et de l'argent. Écoutez, je vais commencer par vous montrer une vidéo parce que, si vous voulez, au moment où j'ai écrit mon livre, on m'a dit il faut faire quelque chose de bien sur LinkedIn. Bon, parce que c'est là où on repère les choses. Alors, je me suis dit, on m'a dit il faut faire une vidéo. Une vidéo, je me suis dit comment on fait ça? Eh bien, je vais vous le présenter parce que ça présente à la fois le personnage et le livre. Voilà. C'est avec Éric Revel qui était le patron d'LCI. Robert Salmon, bonjour. Bonjour. Alors, je suis content de vous rencontrer. J'ai beaucoup entendu parler de vous et je ne pensais pas qu'on se retrouverait à l'occasion du livre que vous publiez en janvier prochain, de L'Oréal à Lhasa, aux éditions Le Passeur. Vous avez parcouru pendant 40 ans le monde entier pour promouvoir à l'international les produits de luxe du groupe L'Oréal et notamment la marque légendaire Lancôme. Tout commence en 1958 par ce voyage initiatique avec votre frère, vous partez de Marseille pour aller à Bombay à la découverte d'une philosophie, d'une culture, qui est la culture hindouiste et bouddhiste. Avant qu'on parle du business et du succès mondial que vous avez connu pendant 40 ans au service de L'Oréal, Robert Salmon, est-ce que votre parcours professionnel aurait été différent si vous n'aviez pas, avant de l'entreprendre, goûté à la philosophie et à la culture hindouiste? Écoutez, c'est une très bonne question. Certainement pas, effectivement. J'ai été obsédé toute ma vie par les cultures non familières. Et en fait, aborder les cultures non familières n'est pas quelque chose que les gens appréhendent facilement. Donc, effectivement, ce voyage en Inde a été déterminant. Parce qu'il y a eu d'abord ça, et puis j'ai été marié avec une femme qui était née en Chine, en Asie, et tout ça. Donc tous ces pays-là m'étaient assez familiers. Alors de L'Oréal à Lhasa, vous allez publier aux éditions Le Passeur, c'est votre parcours professionnel, 40 ans au service des produits de luxe de L'Oréal, dont la marque emblématique Lancôme. Quel était l'état du marché pour les produits de L'Oréal il y a 40 ans, avant que vous ne commenciez à labourer le monde? Bien, L'Oréal, c'était des marchands de shampoing. Donc, à un moment donné, Dahl, qui a fait du génie, s'est dit la cosmétique est très importante et il a eu l'opportunité d'acheter l'affaire Lancôme, qui était une affaire qui avait eu du panache, mais qui n'était pas adaptée après la guerre, disons, au marketing, au merchandising, à toutes les techniques qu'il faut pour arriver à aborder le luxe. Alors, d'un autre côté, Le luxe était totalement à l'opposé de ce que faisait L'Oréal. L'Oréal, c'était le mass. Et au fond, ils sentaient bien que le luxe était important. Le luxe est devenu une partie très importante de L'Oréal par la suite. Alors, on a du mal à l'imaginer, Robert Salmon, mais avant que vous ne preniez votre bâton de pèlerin pour aller parcourir le monde pendant 40 ans au nom des marques de luxe de L'Oréal, l'ex-URSS ou la Chine sont des terrains neutres. Comment est-ce que vous avez abordé stratégiquement ce marché russe ou ce marché chinois? Alors, par exemple, le marché russe, je me disais, c'est pas possible que ces belles jeunes femmes russes aient oublié d'être coquettes. Elles sont plus coquettes que toutes les autres. Donc, je me suis toujours dit, c'est pas possible, même s'il y a des difficultés financières, un régime insupportable, elles peuvent pas avoir oublié, il y a dans leur gène quelque chose. Alors, le problème, c'était de trouver des moyens de financement. Et alors, on a trouvé des moyens de financement à travers l'Égypte, à travers l'Iran, en faisant à la fois des clearings et des barters. Comment est-ce que vous avez imposé les marques également de luxe du groupe L'Oréal en Chine? J'ai tourné autour de la Chine pendant des années, c'était un monde mystérieux. Au début, on a commencé par faire un salon à Shanghai, un salon à Canton, puis progressivement, on s'est dit, au fond, au début, on ne pouvait pas s'implanter là-bas. Il fallait faire des associations. J'ai même lancé un produit qui s'appelait Voilà Paris en Chine, avec une usine chinoise. C'était le premier parfum. Et jusqu'à il y a 4 ou 5 ans, il était presque numéro 1 en Chine encore. Alors, il y a un marché
complètement improbable, pardon, pour les marques que vous représentiez à l'international, c'est le marché américain. Quand on a des marques aussi imposées sur le marché américain que sont Estée Lauder ou Elisabeth Arden, comment est-ce que vous avez pu franchir et dépasser, imposer la marque Lancôme aux États-Unis? Écoutez, tout bêtement, je suis allé voir les gens de Lauder, je dis, mais comment vous faites? Parce que Lauder, quand ils ont démarré, ils faisaient magasin par magasin. Il me dit, nous sommes israélites, hein, le cadeau pour achat dans notre culture, c'est assez connu. Donc nous, on prend un magasin, et puis quand quelqu'un achète quelque chose, on lui fait un cadeau. Je dis, c'est simple. Alors je regardais les cadeaux qu'ils faisaient, puis j'ai vu les gens de marketing, je dis, trouvez-moi un cadeau qui soit plus attractif que ce que fait Estée Lauder. Ils m'ont trouvé un petit sac que j'ai trouvé ridicule, dans lequel on mettait quelques produits, et c'est parti comme ça. Et on a même, à un moment donné, comme cadeau pour achat, on a donné des baguettes de pain. Hein, pour faire très français. Pour faire français, les comptoirs étaient, il y avait des nappes à carreaux, il y avait un béret basque, et les gens étaient enthousiasmés. Donc on a conquis magasin par magasin. Ce qui me plaît bien dans ce livre, Robert Salmon, de L'Oréal à Lhasa aux éditions Le Passeur, c'est que vous arrivez de manière assez subtile, pardonnez-moi hein, de vous le dire, mais vous arrivez de manière assez subtile à faire passer vos idées philosophiques. C'est pour ça que j'ai commencé par ce voyage initiatique en Inde avec le businessman reconnu internationalement que vous êtes. Vous avez par exemple, page 151, une phrase qui me frappe beaucoup. Vous dites finalement l'ensorcellement d'un parfum, l'attirance pour une femme ou la magie de la spiritualité, c'est la même chose. Oui. C'est certainement. Non, il fallait innover. J'ai toujours cherché à trouver des pistes qui n'étaient pas les mêmes. Par exemple, on a été les premiers de loin à aller dans les duty-free. Hein, moi et un ou deux de mes collègues, on a créé le monde duty-free qui aujourd'hui est un truc monstrueux. Essayer d'innover, trouver des pistes, la Russie, les duty-free. En respectant les cultures des pays dans lesquels exactement. Vous imposiez. Voilà. Et ça, c'était... La Corée du Sud. Alors la Corée du Sud, il fallait aller en porte-à-porte. Alors le porte-à-porte, c'est une hérésie pour les marques de luxe. Mais après tout, comme tout le monde faisait du porte-à-porte, on a, à un moment donné, on est parti, on a fait un triomphe là-bas. Les gens, on arrivait à vendre presque 100 millions de dollars en Corée. Est-ce que l'image de la France, celle de la séduction, du luxe, du savoir-vivre, du bon vivre, a servi quand même de terreau incroyablement fertile au développement des marques de L'Oréal? Alors, là, c'est une excellente question. En fait, vous voyez, il y a deux types de marques. Il y a les marques, disons, de couturiers comme Chanel, Dior, qui sont des gens indiscutables et ils peuvent dominer. Et puis, il y a une autre chose, le charme français. Et nous, on a beaucoup insisté là-dessus. Hein, et en fait, on a vendu, dans le monde entier, ça se vend extrêmement bien, il y a un petit côté sympa, quoi. Il faut marquer sa différence sans se renier. Essayer de courir après Chanel et Dior avec leur manière de faire, c'est pas possible, parce qu'on n'a pas de couture. Mais par contre, il y a toute une manière de fonctionner qui a magiquement fonctionné. Vous avez vécu un parcours professionnel quand même exceptionnel. Passionnant, oui. Exceptionnel. Est-ce que vous pensez qu'aujourd'hui, pour d'autres marques, pour d'autres groupes, avec une stratégie peut-être différente, il serait possible de revivre ces expériences d'aventurier, de pionnier que vous avez vécu à l'international? Mais je le crois, parce que si vous voulez, David et Goliath, il y a des petits David partout. Bon, alors, les sociétés veulent être de plus en plus grosses, et au fond, la créativité dans les énormes groupes, c'est beaucoup plus difficile, parce qu'il y a des règles extrêmement strictes, et il n'y a que les déviants qui arrivent à faire des choses un peu différentes. Donc, il y a des tas de petits David, un peu partout dans le monde, qui sont capables de créer des choses qui vont plaire. Regardez, par exemple, en France, des petites sociétés comme Nux, hein, comme Caudalie, fonctionnent extrêmement bien. Et en Amérique, il y a une myriade de petites sociétés du même type. Donc, c'est encore faisable. Page 208 de votre livre de L'Oréal à Lhasa, aux éditions Le Passeur, vous dites, il ne faut pas confondre l'être et l'avoir, et il faut faire attention au qualitatif et au quantitatif. Alors ça reboucle sur votre philosophie de départ, qui est celle de l'hindouisme et de la spiritualité, mais vous avez dans votre parcours personnel confondu un peu les deux, vous avez obtenu le qualitatif et le quantitatif. J'ai essayé, c'est-à-dire j'ai été obsédé par, si vous voulez, la réussite professionnelle, ça pousse l'ego très fort.
la seule manière d'équilibrer les choses, c'est d'avoir une recherche intérieure, une recherche personnelle. Et ça, je l'ai trouvé par un certain nombre de choses. J'ai fait partie d'associations comme la franc-maçonnerie, j'ai fait partie de tas de choses comme ça. Robert Salmon, pour terminer juste sur ce livre, qu'est-ce que vous aimeriez qu'on dise de vous ? Pas sur la réussite professionnelle qui est incontestable et qui a permis à L'Oréal d'être le leader mondial des cosmétiques. Qu'est-ce que vous aimeriez qu'on dise de l'homme Robert Salmon ? Les 10 dernières années, on m'a donné un poste extraordinaire à L'Oréal. C'était un poste de futuriste, d'homme qui regarde l'avenir. Bon. Et aujourd'hui, quand on regarde l'avenir, il y a l'économique, mais l'écologique devient fondamentale. Vous publiez un autre livre, qui va s'appeler « Souvent demain, révoltons-nous », préfacé par Nicolas Hulot. Est-ce que les industriels, comme L'Oréal, François-Henri Pinault pour Kering fait une interview également, où il explique qu'on peut faire du cuir différemment et qu'il faut mettre les brevets qu'on a trouvés à disposition des industriels pour moins polluer, est-ce qu'un groupe comme L'Oréal doit s'engager ou s'est-il déjà engagé sur la voie du respect écologique ? Alors, de plus en plus, on est conduit, parce que notamment les jeunes sont beaucoup plus sensibles à la préservation de la nature. Donc, les jeunes nous poussent à avoir un langage qui ne déplaira pas. Donc, à ce moment-là, on est obligé, par exemple, on ne fait plus de tests sur les animaux. Mais on en fait encore. On n'en fait plus dans nos sociétés. Hein. Non. D'autres pays, on en fait encore. Dans certains pays, peut-être. Mais en fait, vous voyez, il y a une espèce de pression, on est obligé. C'est le consommateur qui a mis la pression sur les industriels. Exactement. Et non pas l'industriel qui s'est aperçu qu'il fallait ménager la planète. Tant qu'on peut, si vous voulez, souvent c'est plus facile de ne pas faire toutes ces précautions, ça coûte beaucoup d'argent. Et comme au fond, il y a une chose terrible, c'est le syndrome Wall Street. On regarde les profits chaque mois, chaque trimestre. La financiarisation de l'économie. Voilà, ça c'était un truc dramatique, il faudrait arriver à réguler un peu. Comment L'Oréal peut ménager la planète avec ses produits ? Alors, il y a le problème de l'eau, il y a le problème de l'énergie, il y a tout ça dans toutes nos usines, on essaye de faire des tas de choses pour essayer de préserver un peu la nature. Parce que, autrement, si on ne fait pas attention... Alors, il y a ce réchauffement climatique qui est indiscutable. Alors, on ne sait pas très, très bien comment le gérer. Parce qu'effectivement, il y avait avant des cycles de 10 000 ans. Et puis maintenant, on n'a que 150 ans de recul. Mais enfin, le réchauffement climatique est quelque chose de tangible et d'inquiétant. Les industriels ont leur part de responsabilité. Alors, les industriels, il faudrait qu'ils se réfrènent autant que faire se peut. Vous savez, si vous voyez la pollution dans certaines villes de Chine, je me souviens un jour, à Dongguan, qui est près de Hong Kong, c'était irrespirable. À Pékin, quelquefois, quand il y a un peu le désert qui amène le sable, c'est irrespirable. Bon, donc, à un moment donné, si vous voulez, si vous ne faites pas attention, vous allez arriver à des choses qui seront un désastre. Robert Salmon, merci beaucoup d'avoir accepté cet entretien. Je rappelle les titres des ouvrages que vous publiez, de L'Oréal à Lhasa aux éditions Le Passeur, livre dont on a beaucoup parlé ici. Et puis, juste avant la COP21, ce livre, Sauver demain, révoltons-nous, préfacé par Nicolas Hulot aux éditions Edit Livre. Merci beaucoup. Alors maintenant, on va, si vous voulez, je vais vous dire, je peux développer certaines choses. Par exemple, on a parlé de la Russie. Vous voyez, la Russie, tout le monde disait les Russes, les monnaies ne sont pas convertibles, c'est même pas la peine d'essayer parce qu'ils n'ont pas d'argent, etc. Alors moi, je me suis dit, c'est pas possible. Il faut trouver des moyens de financement. Alors, comment trouver des moyens de financement ? C'est-à-dire, par exemple, voyez, à travers le clearing égyptien. En Égypte, il y a le barrage d'Assouan qui a été construit. Le barrage d'Assouan, c'était 15 milliards de dollars. Bon, 15 milliards de dollars, donc après, les Russes, ils veulent récupérer leur pognon. Bon, pour récupérer leur pognon, où ils prennent le coton et puis ce qu'ils peuvent arriver à trouver. Mais si vous voyez, il n'y a pas grand-chose en Égypte. Ou alors, le gouvernement égyptien faisait venir des pièces détachées de parfums ou de cosmétiques. Alors, on faisait venir les tubes, les flacons, etc. On remplissait, on faisait travailler la main-d'œuvre locale et on vendait les produits finis. Les produits finis, donc avec une valeur ajoutée considérable. Donc, on remboursait beaucoup plus vite la dette. Bon, alors, on a fait ça en Égypte, on a fait ça en Syrie, on a fait ça en Iran. J'ai même construit une usine dans le désert de Kimla, au-dessus de Bombay, parce que, si vous voulez, entre les Russes, Les Russes et les Chinois et les Indiens s'entendent bien parce que comme les Américains aiment bien les Pakistanais, les Indiens, ils préféraient les Russes. Alors, on a construit une usine pour vendre en Russie.
Bon, donc vous voyez, il y a toujours des moyens. Ce que je voulais dire simplement, c'est que si vous restez dans les schémas établis, vous n'arrivez à rien. Bon, tout à l'heure, j'ai parlé des duty-free aussi. On a parlé des duty-free. Bon, je voyais qu'on vendait des alcools et des tabacs. Sinon, si on vend des alcools et des tabacs, on doit pouvoir vendre des cosmétiques. Bon, alors j'ai mis 4 ou 5 personnes à visiter les duty-free. Et aujourd'hui, les duty-free représentent... J'ai un fils qui est le patron des duty-free chez Dior, de la Grande Chine et du Japon. Il fait 30% de la marge de tout Dior parfum et cosmétiques. Hein. Et aujourd'hui, M. Agon a enfin... parce que son prédécesseur ne comprenait rien, parce que c'est compliqué, les duty-free. Les duty-free, si vous voulez, c'est dans un pays, et puis en général, c'est moins cher que dans le pays. Alors, quand vous avez l'Allemagne ou l'Italie, ils râlent en disant « Mais pourquoi c'est pas nous qui gérons ça ?» Donc, il va falloir couper le duty-free du marché local. Ça a été une décision extrêmement difficile. Tout le monde s'était contre, vous voyez. Mais ça s'est développé de manière spectaculaire. Et autant, par exemple... certainement, si vous voulez, avec le digital, avec l'e-commerce, bon, beaucoup de compagnies comme Douglas ou comme Marionneau ou comme Nocibé ou tout ça, ils risquent d'avoir des ennuis parce qu'effectivement, les gens vont beaucoup plus acheter sur Internet. Mais quand même, quand vous voyagez, on voyage de plus en plus, eh ben, on a toujours un peu de temps pour aller au duty-free. Hein, donc c'est une partie considérable. Et Agon a fait une grande division duty-free pour le groupe L'Oréal, qu'il appelle le sixième continent. Il y a la division produits publics, la division luxe, la division qui va en pharmacie, puis les duty-free. Et c'est un truc extrêmement intéressant. Alors, d'un autre côté, si vous voulez, l'Amérique, bon, je vous en ai dit un mot, c'est vrai, on ne peut pas réussir une grande affaire mondiale si on n'est pas en Amérique. Bon, alors... Ce qu'il y a, c'est qu'on est mal calibré, si vous voulez. La France, il y a 60 millions d'habitants, l'Allemagne un peu plus, mais en Amérique, si vous voulez, les tickets d'entrée, la pub, il faut faire 10 millions de dollars quand il faut faire 1 million de dollars ici. Donc, c'était particulièrement difficile. Alors, c'est là où, effectivement, je me suis dit, il faut s'acharner, parce que si on ne s'acharne pas, on n'y arrivera pas. Et en fait, une affaire qui n'a pas une grosse affaire en Amérique, eh bien, ça ne marche pas. Et aujourd'hui, Lancôme est le seul concurrent d'Estée Lauder. Hein, et Chanel et Dior font même pas 25% de ce que font Lancôme aux États-Unis. Vous voyez ? Et alors, ce qu'on disait, effectivement, on est allé magasin par magasin. Hein, et on a réussi. Vous avez entendu des baguettes de pain. Il y avait des promotions, des sacs, des machins. Enfin, il y avait toute une série de choses. Et il fallait s'adapter. Parce que, si vous voulez, l'imagerie de la France dans le mental des Américains, ce n'est pas tout à fait la même chose que chez nous. Hein. Et en Allemagne, c'est pareil. Donc, dans chaque pays, il y a une vision de la France un peu déformée avec la culture du pays. Donc, tout ça, c'est au fond, je disais tout à l'heure, toute ma carrière, j'étais obsédé par les différences culturelles. Hein, je disais tout à l'heure à certains de vos collègues, bon, ben, par exemple, quand vous allez au Moyen-Orient, si vous arrivez et que vous voulez faire ça comme en Amérique avec des contrats, etc., c'est pas comme ça. Au Moyen-Orient, vous arrivez, hein, vous vous mettez dans une grande salle avec des grands poufs, on retire ses godasses, on se gratte la plante des pieds, on mange des dattes, on discute, etc., puis après, ça marche. Si vous ne faites pas ça, il ne se passe rien. Hein. Donc, si vous voulez, je ne parle pas du Japon. Le Japon, c'est un truc encore plus compliqué, parce qu'au Japon, c'était encore bien plus difficile, parce qu'au moment où on s'est implanté au Japon, eh bien... il y avait un squeeze de produits. Quand on amenait le produit au ministère de la Santé, ils le refusaient à chaque fois. Ils disaient, il y a tel produit. Il y avait la même chose chez les marques japonaises, mais malgré tout, il y avait une espèce de discrimination. Bon, alors un squeeze de produits, un squeeze de distribution, parce que, vous savez, on dit toujours, il y a des grands magasins au Japon, mais il y a 28 000 points de vente, hein, et les grandes marques occidentales, elles sont dans une centaine de points de vente. Bon, et ils font d'ailleurs un contresens total, parce qu'au Japon, c'est la culture du riz. Alors, la culture du riz, tous les gens se mettent en ligne, et on avance, il ne faut pas qu'il y en ait un qui dépasse. Alors, M. Arnaud et les gens de Chanel, ils font des cathédrales dans les grands magasins, hein, et c'est complètement l'inverse de ce que les Japonais aiment. Vous voyez ? Alors, ils vendent leurs produits, en général, aux hôtesses de bar et aux prostituées. Hein, il y en a beaucoup, parce qu'il y a des petits bars partout au Japon. Mais en dehors de ça, ce n'est pas tellement simple. Donc, si vous voulez,
s'adapter à chaque pays est indispensable. Bon. Alors, en dehors de ça, si vous voulez, j'étais toujours obsédé par le fait de pas seulement, si vous voulez, être dans le business. Quoi. Le business, ça fait gonfler l'ego. Hein, on veut gagner plus d'argent, on veut faire ci, on veut faire ça. Ça, bon, ça a des vertus aussi. Mais si vous n'équilibrez pas ça par une recherche intérieure, une recherche personnelle, alors la recherche, c'est en fonction de votre sensibilité. Bon, à ce moment-là, bon, au début, alors pourquoi je suis allé en Inde comme ça? Moi, je suis d'une famille de polytechniciens. Hein, mais tous mes grands-parents étaient ou généraux, ou maréchaux, ou polytechniciens, ou normaliens. Puis moi, j'étais nul en classe. Alors, je dis, et mon père me dit toujours, la vie est difficile. Je dis, non, mon Dieu, s'il a tous ses diplômes et que c'est difficile pour lui, moi qui ne suis pas bon, qu'est-ce que je vais devenir? Alors, j'ai essayé de se dire, il faut que je m'échappe, il faut que je parte autrement. Et c'est là où, effectivement, à l'époque, j'ai lu René Guénon, pour ceux qui connaissent, c'était un spiritualiste du siècle dernier, bon, et qui m'a donné une envie de l'Inde. Et je suis allé en Inde avant les Beatles, parce qu'à l'époque, quand je revenais, des Indes, j'avais des disques indiens avec une musique qui était inaudible pour les Français. Hein. Et alors maintenant, c'est différent, mais à l'époque, c'était... Bon. Et en fait, ça m'a donné une influence absolument très, très importante qui m'a donné envie de continuer. Et donc, j'ai essayé de faire une espèce de balance entre ma vie personnelle et ma vie professionnelle. Bon. Et alors, je me suis aperçu en écrivant mon bouquin qu'effectivement... Bon, il se trouve que j'ai fait beaucoup d'années, j'ai 57 ans de franc-maçonnerie. Bon, il y a des gens qui n'aiment pas ça, il y a des gens qui trouvent ça horrible. Enfin, j'y ai trouvé beaucoup de choses intéressantes, et notamment pour diriger mes troupes. J'ai dirigé ça comme on dirige une loge, et je vous garantis que ça marchait super bien. Hein, et donc, effectivement, si vous voulez, parce que dans une loge maçonnique, il y a un espèce de fil invisible entre les gens qui donne une espèce d'ambiance assez extraordinaire. Bon, et j'ai, d'une certaine manière, à mon corps de vendange, je ne m'en suis même pas aperçu, j'arrivais avec mes troupes à faire une espèce de fil invisible, et je vous garantis, à certains moments, on a l'impression que les types étaient capables de monter sur les murs sans échelle. Bon, donc, ça marche bien. Donc, il faut s'efforcer de pas uniquement... Alors, les gens qui ont des burn-out, c'est les gens qui croient qu'à un truc. Si vous arrivez à équilibrer ça avec autre chose, vous êtes beaucoup plus fort. Bon. Alors, c'est ce que je dis, ouais, réussir dans la vie et réussir sa vie, c'est extrêmement important. Hein, réussir dans la vie, c'est l'argent, c'est le quantitatif. Mais il y a le quantitatif et il y a le qualitatif. Bon, et le qualitatif, c'est ce qui amène les choses vraies. Donc, il faut absolument essayer d'arriver à équilibrer ça. Alors, en fonction de sa sensibilité, ça peut être le sport, ça peut être la méditation, ça peut être plein de choses, si vous voulez. Hein? Mais c'est très important. Alors, maintenant, je vais vous parler un petit peu d'autre chose. C'est-à-dire, si vous voulez, je fais partie, c'est les dernières années à L'Oréal, je gênais un peu le président, parce que quand le président, qui s'appelait Owen Jones, le président, quand il dirigeait l'Amérique, moi, j'étais le patron des affaires de luxe, et donc j'étais le patron de ce qui représentait 60% de son périmètre en Amérique. Et je lui envoyais une feuille de route tous les mois. Alors, vraiment, quand il est revenu à Paris comme patron, c'était un peu plus difficile. Bon, alors, à un moment donné, il m'a nommé, il m'a dit, ce type-là, il n'obéit pas, il suit ses idées, c'est pas très bon. Il m'a mis comme directeur de la stratégie, hein, et de la prospective. Alors, la stratégie et la prospective, c'est-à-dire, j'ai commencé à me balader dans le monde entier. Hein, et si vous voulez, quand vous arrivez, moi, je voyais les chefs d'État. Quand L'Oréal arrive, tous les chefs d'État pensent que vous allez peut-être faire un laboratoire ou une usine ou quelque chose. Donc, c'était assez facile. Alors, ils ne comprenaient pas comment j'arrivais. Puis, d'un autre côté, je suis entré dans un institut qui s'appelait l'Institut mondial des sciences, dans lequel il y avait 50 prix Nobel. Bon, j'étais le seul non scientifique sérieux, parce que je suis un petit ingénieur chimiste, qui était dans ce groupe-là. Donc, vous voyez, tout ça, c'est des choses qui vous apportent une autre dimension que simplement le quantitatif. Alors, quand j'ai fait, donc, je suis allé à la prospective, j'ai été affilié à un certain nombre de think tanks dans le monde, notamment un truc qui s'appelle la World Future Society. La World Future Society, c'est
un organisme où il y a 50 ou 60 000 futuristes, c'est-à-dire les gens qui réfléchissent à l'avenir. Alors, je peux vous dire, par exemple, il y a 30 ans déjà, la nanotechnologie, tout le monde en parle aujourd'hui, mais il y a 30 ans, personne n'en parlait. Il y avait deux laboratoires. Il y en avait un à Singapour et un autre à Chicago. Aujourd'hui, c'est vraiment dans les choses extrêmement connues. Donc, si vous voulez, quand vous assistez à ce genre de choses, ça vous remue un peu les méninges. Hein, et c'est extrêmement important. Et alors, si vous voulez, j'ai donné à vos collègues un truc qui s'appelle les 10 Disappearing Futures, c'est-à-dire les 40 des meilleurs futuristes de ce groupe de la World Future Society, ont fait un document que j'ai donné à vos collègues qui vous les enverront, et qui est impressionnant, c'est dans quel monde on va vivre en 2030. Alors, je le résume en deux minutes, hein, mais il y a un document qui est assez musclé. Évidemment, c'est un peu effrayant, parce que, si vous voulez, la génération des smartphones dotés d'un outil de traduction vocale instantanée pourrait accélérer la disparition de plus de la moitié des 6000 langues parlées dans le monde. La disparition progressive de l'éducation publique, aujourd'hui, dans les endroits reculés, effectivement, maintenant, avec les nouvelles technologies, on n'a pas besoin d'avoir un mauvais professeur. On va pouvoir se brancher sur les meilleurs professeurs de France. Bon, l'Europe, aujourd'hui, évidemment, est un peu en question. Hein, on voit bien, avec le Brexit et tout ça, il y a 2 milliards d'emplois environ qui sont voués à disparaître. Dans les 5 ans qui viennent, le monde a plus évolué ces trois dernières années que depuis 30 ou 40 ans. Donc il va se passer pour votre génération des changements saisissants. Alors, si vous voulez, 2 milliards d'emplois, hein, les fulgurantes avancées technologiques bouleversent les économies, ça entraînera la disparition de beaucoup de jobs qui seront remplacés par d'autres jobs. Mais la transition ne se fera peut-être pas aussi facilement qu'on veut. L'émergence inéluctable de nouvelles formes de distribution. Hein. Alors, les duty-free, eux, ils resteront tranquilles, hein, il n'y a pas de problème. Mais on voit bien, hein, et vous verrez tout à l'heure, j'ai donné un truc qui s'appelle Amazon en Inde. Amazon, aujourd'hui, le bras droit de Bezos, hein, il s'occupe que de l'Inde. Hein, et au fond, en Inde, il y a 600 langues. Hein, 600 langues, donc c'est un compliqué quand il y a un petit Français ou un petit Anglais ou un petit Allemand qui va à Bombay, et il ne comprend rien à toutes ces langues, il y a des grossistes dans tous les coins, c'est impossible. Bon, alors avec maintenant les Indiens qui ont des téléphones portables et des ordinateurs, ils peuvent commander, hein, à Amazon, qui a un énorme dépôt à Hyderabad où il y a des millions de produits. Alors on envoie ça dans le petit village où il y a toujours un petit commerçant, le petit commerçant vous donne le produit, on paye cash, il a une petite commission, etc. Donc ça peut révolutionner complètement, hein, le business. Alors ensuite, une médecine personnalisée, préventive, prédictive et participative. On va pouvoir consulter les gens par Internet beaucoup plus facilement. Zéro papier, zéro cash, hein, et wireless à l'horizon 2030. Ensuite, déclin de l'anonymat. C'est vrai qu'aujourd'hui, c'est plus possible de cacher quoi que ce soit. Aujourd'hui, il y a vous voyez, Mediapart, il arrive à trouver tout ce qu'on veut. Hein, et Snowden et tous ces gens-là. Bon, donc aujourd'hui, c'est impossible de facto à terme. Hein, avec toutes les nouvelles technologies, l'anonymat va disparaître. Bye bye les smartphones et les computers. Dans 10 ans, il y aura tout ça, ça va un peu disparaître. Hein, les hard devices deviendront superflus à cause de la généralisation de l'interaction conversationnelle. Mais il y a une bonne nouvelle aussi, c'est diminution de l'insécurité. Parce que comme il y aura des technologies qui permettront de voir beaucoup plus les choses, l'insécurité qu'on connaît un peu trop en ce moment risque de disparaître. Alors, je vous le résumer comme ça, mais lisez ça, c'est absolument passionnant. Parce que, je me souviens, j'étais en Suisse, vous voyez, j'ai fait un bouquin que j'appelle Heidi, réveille-toi pour les Suisses. Parce que les Suisses, vous voyez, qui sont richissimes, hein, et qui sont le seul budget qui est positif, hein, mais ils ont une démocratie directe, il faut demander à tout le monde son avis, donc il n'y a rien qui avance. Par exemple, à Genève,
Il y a un pont qui devrait se faire depuis 1930, il n'est toujours pas fait, vous voyez. Donc, ce n'est pas très facile. Alors, je dis, réveille-toi. Bon. Et au fond, quand je leur parlais de ces ten disappearing, je dis, vous avez le monde dans lequel vous allez vivre. Est-ce que vous croyez qu'avec votre démocratie directe, vous allez pouvoir suivre le terrain, etc. Ben, je ne pense pas. Alors, donc, ça, vous allez l'avoir. Alors maintenant, si vous voulez, il y a un truc très important. C'est. Alors attendez, tenez des avis futurs. La révolution digitale en marche. Alors, comment ça marche là? Parce que je voudrais. Comment je fais là pour l'avoir? Bon, écoutez, peu importe. Alors la révolution digitale, si vous voulez, c'est un truc extrêmement important. C'est-à-dire, aujourd'hui, si vous voyez bien ce qui se passe, aujourd'hui, si vous voulez, vous avez Uber. Tout le monde, vous voyez les débats sur Uber, la plus importante compagnie de taxi mondiale, mais qui n'a pas de taxi. Bon, Airbnb, c'est le plus grand pourvoyeur d'hôtels, etc., sans hôtel. Le WhatsApp, Skype, etc., tous ces machins-là, c'est beaucoup plus important que toutes les compagnies de téléphone. Bon, Amazon, Alibaba, ça va complètement bouleverser le commerce. Facebook, c'est le média le plus important qu'on connaît. Société One, c'est, si vous voulez, ça risque de démolir un peu les banques. Et Apple devient le plus grand vendeur de software, mais c'est pas lui qui fait les applications. Donc, si vous voulez, on a une espèce de bouleversement progressif qui est assez impressionnant. Alors, il y a trois âges de la révolution numérique. La révolution digitale est donc là. Ce qui, au départ, avait semblé seulement impacter que les agences de voyage, les maisons de disques, les cinémas, aujourd'hui, ça va un peu partout, si vous voulez. D'abord, le premier âge, celui de l'accélération des innovations, sous-tendu par la loi de Moore, celui du déferlement de capitaux, puis pour permettre aux start-up d'atteindre une dimension mondiale très rapidement. Bon, ces technologies devraient être le facteur d'émergence d'une nouvelle ère de la société civile. Alors le deuxième âge pourrait bien être celui de aussi peu capitalistique que l'aura été le premier. Il s'agira de l'ère des communs, des services numériques qui découleraient d'une nouvelle génération de technologies, l'open source, ces technologies qui sont libres de droits, ou les Fab Labs, qui permettent d'utiliser les technologies de pointe de façon ouverte, en sont l'avant-garde, vous voyez. Ensemble, ces technologies devraient être facteurs d'émergence d'une nouvelle ère de la société civile. Avec l'émergence de l'intelligence artificielle, le risque serait que ce ne soit plus nos auxiliaires, mais bien que ce soit nous qui soyons devenus les auxiliaires. Et au fond, le troisième âge, si vous voulez, c'est l'ultime révolution numérique, pourrait bien être celui du grand choix pour l'humanité. On l'observe bien, les machines prennent une place de plus en plus significative dans nos vies. Les Japonais, par exemple, qui ne veulent pas faire d'importation de gens, ben, ils vont développer les robots jusqu'à plus soif. Et au fond, tout ça, si vous voulez, les robots deviennent multitâches. Il faudrait aussi souhaiter qu'émerge un débat sur le rôle qu'on s'en donne aux machines, parce que ça serait quand même un peu embêtant. On aura bien de la chance si les robots du futur nous acceptent comme animaux de compagnie à terme. Donc, il faut quand même un peu se méfier. Donc, tout ça, ce n'est pas très simple. Alors, maintenant, le dernier sujet dont je veux vous dire un mot, c'est le monde qui change. Alors, attendez, comment je fais là pour... Comment je fais pour passer les transparents, là? Non, je ne l'ai pas, là. Comment on peut faire passer les transparents, le new challenge, là? Vous ne l'avez pas? Ah, bon. Non, alors, écoutez ça, je vais vous le résumer. En fait, aujourd'hui, qu'est-ce qui se passe? Toutes les compagnies, les grandes compagnies, qui sont au CAC 40, qui sont à Wall Street, etc. Elles ont cavalé pendant des générations après une classe moyenne qui se développait. Aujourd'hui, le problème, c'est qu'on ne fait plus d'enfants dans le monde riche. Comme on ne fait plus d'enfants dans le monde riche,
où vont être les clients de demain, hein? Donc ça, c'est le vrai challenge compliqué. C'est-à-dire, aujourd'hui, il y a bien... Alors, tout le monde, toutes les compagnies se gargarisent en disant, par exemple, en Chine, il y a une petite frange de clientèle extrêmement assez riche qui peut consommer nos produits, mais les masses des émergents, il y a 3 ou 4 milliards, plutôt presque 4 milliards, entre les classés de Chine, du Bangladesh, du Pakistan, de l'Indonésie, de l'Inde et de l'Afrique demain, parce que l'Afrique, il y aura 2 milliards de gens d'ici 20 ans, hein. Il y a 4 milliards de gens qui ont envie de consommer quelque chose. Bon, ils rêvent. Alors, il y a les gens riches qui consommeront nos produits à nos prix, et puis il y a des tas de gens qui sont prêts à consommer à 1 euro, hein, des produits qui coûteront 1 euro. Alors, seuls, pour l'instant, les Coréens savent faire des produits à 1 euro. Quand vous allez en Corée, il y a toute une série de produits de maquillage et de soins, etc., qui coûtent 1 dollar ou 1 euro. Bon. Mais, si vous voulez, dans la pratique, si vous voulez, le vrai drame, c'est que, prenez L'Oréal, c'est ce que j'ai dit à M. Agon. Vous avez peut-être vu là, un article que vous avez reçu ou que vous allez recevoir. On me dit le gourou de M. Agon. Alors j'étais embêté, je me dis il va se vexer. Je ne suis pas vexé. Bon, parce que je vais en Inde dans 15 jours, parce que je voudrais essayer de faire d'aider L'Oréal à faire des joint ventures avec des compagnies indiennes, parce qu'il y a des compagnies indiennes extrêmement puissantes qui savent faire des produits vendus à ce prix-là. Parce que nous, il n'y a aucune usine en Amérique, en Allemagne, en France, au Japon, qui savent faire des produits à 0,20 cents de coût de revient. Bon, donc, comment on va faire, hein? Comment on va faire? D'un côté, il n'y a plus de clients, puisqu'il n'y a plus de démographie, et les seules démographies, c'est dans tous ces pays émergents. Bon, si c'est dans ces pays émergents, il faut arriver à trouver des produits. Et comme on ne sait pas les faire, les Indiens... Par exemple, il y a une centaine de compagnies, hein, qui sont extrêmement prospères. Alors, la chance qu'on a, c'est qu'ils ne savent pas exporter, hein. De même, au Brésil, il y avait une compagnie qui s'appelait Natura, qui vend en porte-à-porte, mais qui n'a jamais été foutue de sortir du Brésil. Bon, alors, si vous voulez, si on fait un partenariat avec ces gens-là, d'un côté, on pénétrera mieux en Inde, et d'autre côté, on pourra utiliser ces produits-là pour être vendus en Afrique, en Chine au classé D, dans ces 4 milliards de gens. 4 milliards, si les gens consomment 1 ou 2 euros, hein, ça fait 8 milliards d'euros. 8 milliards d'euros, c'est bon à prendre, hein. Donc si vous voulez, là, c'est ça le vrai challenge pour les sociétés. Quand j'ai dit ça à Agon l'autre fois, je lui ai dit, écoute, je vais en Inde, je vais essayer de te trouver 2-3... par exemple, les femmes qui sont là, vous connaissez tous les produits ayurvédiques. Bon, les produits ayurvédiques, c'est des produits qui datent de 4000 ans. C'est des produits naturels qui sont faits dans toute la religion hindoue, etc. Les femmes occidentales, elles en sont folles. Bon, alors aujourd'hui, L'Oréal a Body Shop. Quand vous entrez dans Body Shop, excusez-moi, l'assortiment, il est pitoyable. Bon, imaginez qu'au lieu d'avoir ça, on fait un joint venture avec une société indienne. On met dans les Body Shop, il y a 6000 points de vente Body Shop. On met la moitié... du magasin avec des produits ayurvédiques. Je vous garantis que ça va cartonner. Hein? Donc, si vous voulez, vous voyez, tout ça pour dire quoi? Tout ça pour dire, au fond, il faut essayer de sortir des sentiers battus. Il faut essayer, vous, aujourd'hui, c'est dans les grosses boîtes. Aujourd'hui, on fait du cost-killing à tout berzingue. Donc, quand vous entrez dans ces boîtes-là, on vous sent vous pressure. Hein, il y a des burn-out dans tous les sens, etc. Alors, de temps en temps, ce n'est pas bête d'avoir l'estampille de L'Oréal, de machin, des grosses boîtes, ça c'est sûr. Mais après, essayez de trouver votre chemin. Parce qu'aujourd'hui, les sociétés, de plus en plus, elles vont sous-traiter un nombre important de ce qu'elles font aujourd'hui en interne. Hein, je me souviens, par exemple, à Singapour, on avait à un moment donné, pour les duty-free, on avait un dépôt à Hong Kong. Et puis, au moment où la Chine a repris Hong Kong, j'ai dit, non, une pipe, le dépôt, qu'est-ce qui va se passer? Alors, j'ai amené ce dépôt à Singapour. Puis, j'ai regardé, si on faisait la logistique nous-mêmes, combien ça va coûter? Si on faisait faire ça par des Chinois, sous-traité à des Chinois, ça coûtait 40% de moins. Hein. Donc, vous voyez, il y a énormément de choses qu'une petite structure peut faire beaucoup moins cher que ce que font les grandes compagnies avec plein de...
vous voyez, avec tous les frais généraux induits par la grande structure. Ce que je disais aussi tout à l'heure aux gens, on ne se rend pas compte, si vous voulez, et après on va terminer peut-être là, si vous voulez, en fait, dans les sociétés, si vous voulez, vous prenez L'Oréal, il y a une division produits publics qui est la plus grosse des divisions. Puis il y a une division luxe, puis il y a une division pharmaceutique et une division coiffure. Bon. Alors, à un moment donné, il faut des règles comptables. Alors, les règles comptables, on fait ça sur la plus grosse division. Mais quand ensuite, on juge les produits de luxe ou les produits de coiffure avec ces critères-là, on fait des bêtises. Alors, je racontais la chose suivante. Un jour, j'ai voulu lancer une ligne de produits solaires chez Lancôme. Alors, j'avais pris un flacon standard, un bouchon standard, une sérigraphie, et puis à peu près le même produit qu'en brosse solaire, au parfum près. Je le vendais 5 fois plus cher. Et ben avec les règles du public, les règles de la grosse division, on perdait de l'argent. Bon. Pourquoi ? Parce qu'on avait des quantités plus faibles. Alors, je vais voir mon président, mais vous êtes fou, mon vieux, qu'est-ce que c'est que ça ? Vous êtes complètement cinglé. Alors, j'ai dit, écoutez, c'est formidable, j'ai trouvé la solution. On va vendre le produit, on ne mettra rien dedans. Et puis, quand on faisait ça, on ne gagnait pas plus. Simplement, les règles comptables étaient inadaptées pour une série de choses. Et dans les boîtes, il y a beaucoup de choses comme ça. Alors, c'est très difficile parce qu'un chef de produit, quand il est là, sortir des chantiers battus, il y a des espèces de contrôleurs de gestion qui sont là pour surveiller la règle du jeu. Hein, et si vous sortez des sentiers battus, il dit ce salaud-là, il ne suit pas la règle, donc à ce moment-là, il n'a pas la promotion, etc. Alors les gens, ils suivent comme des moutons. Donc ce n'est pas simple. Hein. Vous voyez ? Donc tout ça pour dire. Alors, pour terminer, je vais simplement vous dire j'ai toute une série de documents que j'ai remis à vos collègues. Qui vous enverront, je vous recommande de les lire avec beaucoup, notamment, si vous voulez, Amazon India, c'est passionnant. Hein, c'est une révolution, si vous voulez, dans la distribution. Donc, si vous voulez, je ne peux pas tout vous raconter, parce qu'il y a plein de choses passionnantes. Donc, si vous voulez, en fait, la chose qui m'inquiète quand même dans tout ça, c'est qu'effectivement, cette destruction de 2 milliards de jobs, hein, parce que pour recréer des nouveaux jobs qui seront surtout dans la logistique, dans toute une série de choses autres, parce que si vous voulez, aujourd'hui, c'est très bien Internet, vous achetez un produit sur Internet, il faut que vous l'envoie. Donc c'est que des problèmes logistiques, ça va devenir un truc très compliqué. Bon, donc si vous voulez, c'est pas simple, hein, mais il faut, vous êtes, je crois qu'à un moment donné, créer votre entreprise, c'est sûrement pas une bêtise. Parce que vous pourrez faire de la sous-traitance. Toutes les grosses sociétés vont sous-traiter parce que ça sera moins cher que de le faire en interne. Donc il y a énormément de jobs qui vont se créer dans ces choses-là. Hein. Voilà, écoutez, je crois que maintenant, il y a peut-être quelques questions. Pardon ? Voilà. Alors. Et je pourrais continuer jusqu'à demain matin, mais je crois que ça serait un peu trop. Allez-y, monsieur Alistair, asseyez-vous. Oui. Déjà, merci beaucoup pour votre exposé, monsieur Salmon, que j'ai trouvé personnellement très intéressant et que vous expliquez très très bien dans votre livre, que vous allez d'ailleurs dédicacer à la fin de cette présentation. Alors déjà, on a plusieurs questions à vous poser. La première est la suivante. On vous définit comme un pionnier, mais pensez-vous qu'une telle aventure est encore possible aujourd'hui ? Oui, moi, je crois effectivement, dans la vidéo, je crois que si vous voulez suivre la voie conventionnelle, non, il faut un peu d'imagination. Et tous les gens, vous voyez, toutes ces révolutions d'Uber et tout ça, c'est quand même des gens qui ont eu de l'imagination. Donc, ayez de l'imagination, hein, et à mon avis, il y a des tas de choses. Je vous parlais même dans les cosmétiques, Nux, Caudalie, Pomarium, je connais que 25 marques comme ça. Hein, donc, il y a toujours moyen de trouver son chemin. Hein, simplement, il faut être un peu hardi, c'est quelquefois plus difficile, mais c'est tellement plus excitant. Alors, dans le livre, vous insistez beaucoup sur la nécessité de s'adapter aux différentes cultures.
Cependant, n'avez-vous pas l'impression que le monde s'uniformise et que nos modes de consommation ont tendance à s'homogénéiser ? Alors, c'est ce que les Américains croient. Ils croient que parce qu'ils vendent du McDonald's à droite et à gauche, ils croient que les gens vont devenir américains. Pas du tout. Et jamais, jamais on a connu autant de petites start-up dans chaque pays. Hein. Donc, je crois qu'il y a... Il y a effectivement une frange, enfin la mondialisation, au fond, ça ne marche pas tellement bien. Hein. Il y a des tas de pays qui sont complètement à la traîne. Bon, et en fait, je pense que... Pas du tout. Je pense que la mondialisation, elle n'est pas dans les fêtes. Quoi. C'est pas parce qu'il y a des McDonald's et il y a des Starbucks à droite et à gauche. C'est pas pour ça. Les gens sont de plus en plus attachés à leur région. Vous voyez bien, d'ailleurs, l'Écosse qui a envie de se barrer parce qu'elle n'aime pas l'Angleterre, le Pays Basque et le Catalan, etc. Ils veulent... Donc, je crois qu'au contraire, il y a les deux mouvements, quoi, en fait. Hein. Je pense qu'il n'y a pas beaucoup de raisons de s'inquiéter. On ne va pas uniformiser quoi que ce soit. Hein. Alors, vous évoquez dans votre livre de L'Oréal à Lhasa le concept de marketing. Pouvez-vous nous en dire plus et comment expliquez-vous ce rapprochement entre le marketing et la guerre ? C'est-à-dire, vous savez, avec les concurrents, c'est des guerres à mort. Hein, entre les concurrents, si vous voyez par exemple, disons, les cosmétiques, je connais particulièrement bien. Hein, quand dans un magasin, il y a Chanel, il y a Lancôme, il y a Dior, qui veulent avoir le bon emplacement, c'est une guerre au couteau. Hein, c'est une horreur. Donc, si vous voulez, le marketing, c'est les techniques de guerre sont applicables dans les entreprises. Hein, j'ai tout un chapitre dans mon bouquin où je parle de ça. Hein, je crois qu'effectivement, il faut considérer, il ne faut pas être trop gentil, quoi. Il faut être... Si vous voulez, à un moment donné, vous savez, vous avez peut-être vu les scandales de Bettencourt, les choses. Il y a un truc qui s'appelle le management du risque dans les sociétés. Bon, le management du risque, j'en parle, je ne sais pas si j'en parle dans ce livre-là. Bon, c'est-à-dire, à un moment donné, on a subi, si vous voulez, des choses épouvantables au moment où L'Oréal a racheté Elena Rubinstein. C'était une affaire, Madame Rubinstein a été juive. Elle avait une usine en Israël. Quand elle avait une usine en Israël, le boycott de Damas risquait de vous boycotter. Et puis, comme on était associé avec Nestlé, Nestlé risquait d'être boycotté. Ça devient une histoire absolument effroyable. Alors, on a un mal de chien. Bon, les tests sur animaux. Un jour, il y a eu un petit laboratoire aux États-Unis qui avait mis une souris dans un micro-ondes, et puis le type a oublié d'éteindre le micro-ondes, la souris, elle a cuit là-dedans. Alors, il y a des gens d'une organisation qui s'appelle PITA qui est arrivé, qui a pris des photos, puis ensuite, ils allaient dans les immeubles en disant « Vous voudriez qu'il arrive ça à votre chien ou à votre machin, c'est dégueulasse, etc. » On a mis des mois et des mois à se tirer d'un pas comme ça. Il y avait, sur la 5e avenue, il y avait des rouleaux compresseurs qui bousillaient les produits Lancôme, etc. Donc, si vous voulez, manager le risque, c'est quelque chose d'extrêmement compliqué. Hein, l'histoire de Madame Bettencourt aussi, vous avez vu ça, toutes ces histoires, c'était très très compliqué. Hein. Et puis il se trouve que Monsieur Schweller, qui était le fondateur, hein, c'était le financier de la cagoule. La cagoule, c'était, vous savez, pendant la guerre, il y avait Hitler, il y avait Mussolini, il y avait Franco. Puis en France, il y a des gens d'extrême droite qui ont voulu prendre le pouvoir. Bon, et puis Schweller, il finançait ça. Alors après. Vous savez, après, tout ça, c'est ressorti au moment de problèmes, etc. Ça devient une horreur. Alors après, attendez, le management, à un certain moment, on travaille 70% de notre temps pour éteindre le feu. Alors que ce n'est pas simple. Pour la dernière question, je vais citer un passage de votre livre. Alors vous dites, finalement, dans l'histoire de la conquête du monde de L'Oréal, les individus qui ont pris des risques pour ouvrir les marchés n'étaient-ils pas tous animés d'une capacité de folie ? Alors, ce que je vais vous demander, c'est est-ce qu'on peut transmettre cette folie, l'enseigner ? Faut-il réformer le système de notation en France pour la mettre en valeur ?
Et est-ce qu'on pourrait faire un cours de folie? Non, mais il y a quelquefois, j'ai essayé de vous expliquer tout à l'heure, moi, la famille dans laquelle j'étais, ça sentait un peu la naphtaline. Hein, chez moi, ce n'était pas rigolo. Hein. Alors, à un moment donné, je me disais dans une pipe, ils ont des diplômes à plus savoir qu'en faire, ils ont du mal, qu'est-ce que je deviens? Bon, donc à ce moment-là, c'est pas que la folie, c'est-à-dire que vous échappez pour pas sombrer. Si vous suivez la règle, vous tombez dans le trou, vous voyez? Donc, c'est pas des cours de folie, c'est je vous engage vivement à essayer de dire, vous avez chacun en vous des qualités propres, et c'est ces qualités-là, plus que, encore autant que vos diplômes, hein, qui feront ce que vous êtes. Hein, et en fait, essayez de cultiver les qualités, les petits brins de folie que vous avez tous en vous. Et là, à ce moment-là, vous allez entreprendre des choses. Vous voyez, hein, vous êtes tous, je suis sûr que si on discute, et alors à un moment donné, on n'ose pas trop, on ne sait pas, on dit je vais me faire mal voir, etc. C'est vrai que moi, à L'Oréal, plusieurs fois, j'ai failli être foutu à la porte parce que je faisais des choses qu'ils n'aimaient pas. Bon, ben, c'est comme ça, quoi. Hein, et, par exemple. Hein? Par exemple. Par exemple, un jour, il y avait une cabale des types qui avaient expliqué que, soi-disant, j'avais raconté que le président couchait avec une fille, etc. Alors, une autre fois, il y avait des gars qui avaient expliqué, soi-disant, que j'étais antisémite, etc. Que c'était des pures inventions. Alors après, pour vous défendre de calomnies comme ça, c'est épouvantable. Hein? Hein, donc il faut dans les boîtes il y a des jalousies, il y a des trucs, il y a, le pire de tout c'est les histoires salariales. La seule fois de ma vie où j'ai pas eu d'ennui en fin d'année, c'est quand monsieur Raymond Barre a gelé les salaires. Je me disais dans une pipe, il n'y a pas d'augmentation cette année, on va se faire pendre, etc. Pas du tout, parce que pas du tout, il ne s'est rien passé cette année là parce qu'à chaque fois qu'il y a des augmentations de salaire, chacun dit ça y est, je suis sûr que lui, il a obtenu mieux que moi. Alors, il y a de la jalousie, il y a des trucs terribles. Hein, il se dit, je suis sûr qu'il est plus malin que moi, il s'est débrouillé pour avoir une meilleure augmentation que moi. Vous voyez, donc, c'est la jalousie dans les boîtes, c'est quelque chose d'horrible. Hein. Merci beaucoup. Peut-être qu'il y a des gens qui ont une ou deux questions encore. C'est iconoclaste, c'est pas, vous voyez, l'iconoclaste, c'est pas le mot exact, parce qu'iconoclaste, c'est le briseur d'icônes, normalement. Mais dans le mental collectif, ça veut dire celui qui fait pas les choses comme tout le monde. Et toute ma vie, j'ai pas eu envie de faire les choses comme tout le monde. Bon, et bon, je pense pas que ça m'ait tellement mal réussi, hein, mais il faut oser, quoi. Et puis quand on ose, on gagne, à chaque fois. Du coup, pour terminer sur la folie, vous pensez que vous êtes un peu fou ou vous êtes quoi? Ben, écoutez, il y a eu un article que je vous ai envoyé en disant mes copines me prenaient pour un fada. Bon, parce que bon, oui, j'avais peut-être un peu. Non, ce qu'il y a, c'est que j'ai eu la chance de faire ce périple en Inde et puis j'avais épousé une fille qui était née à Hong Kong, tout ça. Donc j'avais une appétence pour ça. Puis, si vous voulez, en 1964. Hein, quand j'avais tout de suite compris que le basculement vers l'Orient était inéluctable, c'est là où il y avait le monde, si vous voulez. Donc, si vous voulez, c'était pas génial, quoi. Alors que les gens, ils passaient à l'Allemagne. Je me souviens, après L'Oréal, j'étais conseiller d'une affaire qui s'appelait Coty. Mais Coty, ils étaient qu'en Europe et aux États-Unis. Alors, moi, à ce moment-là, j'aurais ouvert toute l'Asie, tout le machin, la Russie, etc. Ils ont doublé le chiffre, triplé le chiffre, etc. Parce que, mais c'était pas dans leur radar, quoi. Voyez, il faut essayer de réfléchir un peu. Alors, c'est là où le truc de futuriste, c'est peut-être pour ça d'ailleurs qu'on m'avait nommé à ce poste de futuriste. Hein, c'est parce que j'avais une capacité à voir les choses un peu autrement, quoi. Hein? Mais finalement, vous ne pensez pas qu'aujourd'hui, quand même, pour réussir dans une grande boîte comme L'Oréal, les parcours sont peut-être moins atypiques que le vôtre, qu'on valorise, qu'on aurait peut-être moins le temps de s'imprégner d'une différente culture? Alors, très honnêtement, L'Oréal, il faut y aller à un moment donné, si vous pouvez, c'est bien.
Et à un moment, il faut peut-être sortir. C'est pas, c'est-à-dire, si vous entrez dans une société plus petite, moi, quand je suis entré, ça faisait 15 millions de francs, Lancôme. 15 millions de francs, c'est-à-dire 10 millions en France et 5 millions à l'international. Bon, maintenant, ça fait, je sais pas, ça fait 5 milliards de dollars, un truc comme ça. Vous voyez ? Donc, c'est pas tout à fait pareil. Hein ? Donc, ce qu'il faut, c'est oser, quoi. Il faut oser. Oui ? Merci. Alors, j'aurais une question par rapport au marketing. Donc, vous étiez chez L'Oréal et donc c'est une boîte de luxe. Et quand vous en parlez, j'ai l'impression parfois que ça ressemble beaucoup au marketing d'une autre entreprise qui serait pas forcément dans le luxe. Alors, c'est peut-être le fait que ce soit quand même un marketing de masse. Mais je voulais savoir s'il y avait des spécificités au milieu du luxe. Voilà. Oui, oui, parce que si vous voulez. Bon, c'est une très très bonne question. En fait, écoutez, je vais vous répondre peut-être un peu à côté. À un moment donné, j'étais patron à la fois de Lancôme et patron de Vichy. Il y avait un produit qui s'appelait Equalia chez Vichy et un produit qui s'appelait Hydrix chez Lancôme. Bon, c'était la même formule quasiment au parfum près. Il y en a un qui valait 5 fois le prix de l'autre. Et bien, même moi qui savais que c'était à peu près la même camelote, je préférais quand même Hydrix. Donc, si vous voulez, arriver à insuffler dans une marque quelque chose, alors ça, le grand truc, c'est Isabella Rossellini. À l'époque, si vous voulez, tous les gens avaient des mannequins qui étaient des belles suédoises et tout ça. Puis moi, à l'époque, on a choisi Isabella Rossellini, dont la mère était Ingrid Bergman et le père Roberto Rossellini, qui avait autre chose qu'un mannequin, si vous voulez, qui a énormément aidé à la marque, vous voyez. Donc, si vous voulez, c'est... On achète un rêve, c'est quand même... Écoutez, je savais que c'était la même camelote, et pourtant, j'ai préféré le c'était... C'est, bon, je ne payais pas les produits, ça, peut-être. Hein, mais bon, mais c'est pas très réaliste, normalement. Mais si, on ne peut pas se départir. Et je vais vous dire, par exemple, excusez-moi, je ne veux pas critiquer les concurrents, hein, mais quand vous êtes une affaire de couture, vous pouvez faire des parfums et vous pouvez faire du maquillage, mais vous n'avez aucune légitimité pour faire du soin. Bon, Dior et Chanel, ils font des soins qui ne sont pas terribles. Hein. Bon, mon fils travaille chez Dior, quand je lui dis ça, il est furieux, mais enfin, ce n'est pas grave. Hein. C'est vrai qu'il n'y a pas de légitimité. C'est comme vous ne pouvez pas faire à la fois du falala avec la couture et puis du soin qui est sérieux. Vous voyez ? Donc, les images de marque, c'est fondamental. Alors, la grande chose importante, si vous voulez, peut-être qu'on peut dire, c'est qu'aujourd'hui, si vous voulez, un des grands avantages encore des pays occidentaux, c'est qu'on sait faire des marques. Pour l'instant, vous voyez, prenez les Chinois, ils ont du mal à faire des marques. Faire une marque, c'est pas facile. Pourquoi Monsieur Tata a racheté Rover et a racheté Jaguar? Parce qu'il achète des marques. D'ailleurs, il travaille très bien. En plus, les Chinois ont acheté Volvo. Parce que si vous voulez créer une marque, ça prend des années. C'est très compliqué. Hein, moi, quand je suis entré chez Lancôme, bon, elle n'était pas abîmée, Lancôme, l'affaire, mais ça ne représentait pas grand-chose, si vous voulez. Et on a monté l'image, et l'image... Alors, oui, mais mon fils, par exemple, quand mon fils a travaillé à L'Oréal à un moment donné. Puis quand il est allé chez Dior, il a été reçu par Bernard Arnault. Alors, il a été patron de Clarins au Japon, et puis ensuite, il a été patron des marques de L'Oréal à Taïwan. Et alors, Arnaud lui dit, mais ça ne vous gêne pas de venir dans une affaire dans le luxe comme quand vous venez d'une affaire de masse? Alors, il dit, attendez, moi, j'étais chez Clarins, ce n'est pas une affaire de masse. Si, c'est une affaire de masse. Et puis, il dit, Lancôme, bon, c'est la même chose. Donc, il y a un espèce de mépris total de ces grandes marques que j'essayais de dire dans la vidéo. C'est-à-dire, quand vous avez de la couture et des machins, un type comme Lagerfeld, avec son cinéma incroyable qu'il fait, les gens, ils sont un peu, c'est un peu babards. Ils sont, ah, vous voyez, on tombe...
Mais c'est des constructions qui sont difficiles. La grande force de Chanel, c'est qu'il y a eu un directeur artistique, il y a eu le grand-père, le père, c'est une famille qui s'appelait Helleux. Depuis 1929, ils ont toujours eu le même directeur artistique, la même famille. Donc ils ont une espèce de consistance pendant des années, et là, ça marche. Hein ? Bonjour, moi j'avais une question. Je vais vous demander si vous aviez un conseil à donner à des étudiants comme nous en école de commerce qui peut-être à l'avenir souhaitent travailler dans le luxe et dans des grands groupes comme L'Oréal. Quel serait ce conseil ? Des conseils ? Merci. Non, mais je pense que ce qui est compliqué, si vous voulez, c'est il faut trouver le point d'entrée. Si, vous voulez, si par exemple vous arrivez à décrocher un stage, bon, un stage dans une de ces maisons-là. Oui, par exemple, j'ai la fille de mon frère. Je lui ai fait faire un stage chez Chanel et un autre chez Dior. Alors maintenant, elle est lancée, elle est dans le circuit. Donc, il faut essayer de trouver un point d'entrée. Alors là, vous pouvez faire des carrières, vous voyez. Mais autrement, il y a d'autres choses bien. Il y a d'autres marques qui sont vachement bien. Il y a des petites marques plus petites. Vous voyez, moi, par exemple, Nux, j'aime beaucoup Nux. Les produits sont vachement bien. Hein. Il n'y a pas que la cosmétique non plus. Hein? Et puis, il y a plein de marques. Écoutez, aujourd'hui, dans les marques de mode aussi, les jeunes, ils aiment des marques auxquelles on ne pense pas. Moi, je ne les connais d'ailleurs pas. Vous les connaissez probablement beaucoup mieux que moi. Hein? Non, il y a plein de possibilités. Mais il faut faire vos armes dans un endroit où on va vous donner des responsabilités. Et ça, c'est dans une petite structure, vous la trouvez. Alors, après, à un moment donné, faire un passage... Avoir l'estampille L'Oréal, c'est pas mal. Ou l'estampille Dior, ou l'estampille Chanel, ou l'estampille L'Odeur, etc. Ça donne un plus, si vous voulez. C'est le curriculum. Hein, ma petite nièce qui a travaillé là-dedans, maintenant elle est chez Saint-Laurent, s'occupe des godasses de Saint-Laurent. Hein, et bon, parce que, comme on dit, elle était chez Chanel et chez Dior. Hein, alors son père, qui manque un peu de... Il adore sa fille, alors il me dit tout de même, un jour, il me dit tout de même, hein, Chanel et Dior, ils ont eu de la chance d'avoir ma fille comme stagiaire. Bon, alors je lui dis, là, je ne suis pas sûr que tu vois tout à fait clair. Alors, bonsoir, c'était à propos de la cosmétique, c'est-à-dire que... Pour s'implanter dans certains marchés, il y a certains produits que nous, Français, on n'utilise pas forcément et que des marques françaises vont du coup se mettre à créer. Je pense à l'Asie, il y a énormément de produits en Asie que les Asiatiques utilisent et nous pas. Comment vous arrivez auprès des publics à montrer une légitimité en étant une marque étrangère qui s'implante dans un marché étranger et qui va créer des produits inconnus pour eux ? C'est une excellente question. Je vais vous raconter une histoire très marrante. Bon, je ramais au Japon, vous ne pouvez pas vous imaginer. Et au Japon, ici, on a des produits à bronzer. Là, ils ont des produits blanchissants, vous voyez. Alors, c'est pas tout à fait là, mais un jour, j'avais amené au patron des laboratoires 400 produits japonais totalement inconnus dans le reste du monde. Bon, il me dit, qu'est-ce que c'est que tout ça ? Ben, je dis, écoutez, si vous voulez exister dans ces pays-là, hein, vous voyez, il y a des... Par exemple, il y a des Tuweke, il y a des tas de machins qu'on ne connaît pas, quoi. Pardon ? Oui. Alors, vous êtes obligé quand même à un moment donné, si vous voulez exister, normalement quand vous allez dans ces pays-là, vous êtes au Japon, vous voulez être une affaire de luxe. Mais si vous avez une affaire de luxe dans laquelle il n'y a pas de volant et il n'y a pas le siège arrière, c'est à peu près ce qu'on fait quand on n'a pas les produits qu'ont les autres, ben ça ne va pas très bien. Et le numéro un au Japon, c'est une affaire qui s'appelle Albion. Hein. Écoutez, je connais très bien les gens d'Albion depuis 40 ans. Je n'ai toujours pas compris le rituel de beauté. Donc, ça veut dire que les Japonais, ils se grattent comme ça au lieu de se gratter comme ça. Mais si vous n'avez pas les produits... Mais même, si vous voulez, par exemple, on avait un corps un groupe de produits en Europe. En Amérique, on avait... des produits avec les mêmes noms, mais 50% des produits américains n'étaient pas les mêmes que les Français. Et au Japon, il y en avait 60% qui étaient quelquefois les mêmes noms, mais pas encore les mêmes, ni de l'Amérique, ni, du, ni, ni, de,
ni de l'Europe. Alors, évidemment, c'est un peu compliqué, parce qu'au début, quand vous êtes une petite structure, hein, vous voyez, par exemple, mon fils qui a travaillé chez Clarins au Japon, on ne lui a jamais donné les produits blanchissants qu'il fallait, on lui a jamais... Alors, on ne peut pas se développer, quoi, c'est difficile. Hein. Surtout que les Japonais vont très, très vite pour sortir des produits, hein. Comment on fait pour s'implanter dans un pays, pour connaître sa culture, quand on est un petit Français et qu'on ne connaît absolument rien ? Alors, écoutez, moi j'ai fait un truc qu'on a imité, parce que si vous voulez, on ne peut pas promouvoir tous les gens. Bon, donc, la concurrence a piqué la moitié au moins de types de chez nous, parce qu'au fond, ce qu'on fait dans un pays, on prend un agent qui connaît le pays. Vous arrivez dans un pays, vous ne connaissez rien. Si vous arrivez là, vous mettez le doigt dans la prise et vous électrocutez. Bon, donc si vous prenez un agent, bon, l'agent, il connaît le pays, etc. Bon, puis après, une fois que vous faites ça, le jour où vous arrivez au break-even, vous pouvez à ce moment-là faire une joint venture, hein, où vous devenez majoritaire, puis peu à peu, vous pouvez racheter, mais ça vous donne le temps de vous adapter au pays. Hein, j'ai fait ça, moi, dans... Mais dans les produits publics, c'est plus compliqué. Dans les produits de masse, c'est beaucoup plus compliqué parce que le ticket d'entrée et publicitaire, notamment, est considérable. Donc, c'est beaucoup plus difficile. Mais dans les affaires de luxe, moi, ça marchait partout, ça. Hein, vous prenez un agent, puis ensuite, on prenait 51, puis ensuite, on gardait 25, puis ensuite, on reprenait tout. Quand on envoyait des gens, avant de faire la joint venture, on envoyait des Européens, hein, et puis peu à peu, vous arriviez à... Vous voyez ? Mais ça, ce n'était pas du tout ce que faisaient tellement les gens, vous voyez ? C'est pour ça qu'on était un peu en avance. Peut-être un peu par chance, parce que la plupart des compagnies américaines, les Américains, il n'y a pas plus mauvais type à l'international que les Américains. Ils ne sont pas bons. Hein. Bon, les gens qui sont bons, c'est les Italiens, les Français... Et les Allemands et les Chinois, parfois. Hein, ils ne sont pas mauvais, les Chinois. Il y a des Chinois très bien. Bon, les Japonais sont exécrables. Les Américains ne sont pas bons. Hein. Donc, si vous voulez... oui, les Français, vous avez... Pourquoi pas ? J'ai pas mal parlé de cosmétiques, parce que quand même, l'image de la France, il faut dire merci à Bernard Arnault. Bernard Arnault a fait des cathédrales dans tous les pays du monde... Hein, il a les plus beaux emplacements dans toutes les villes principales du monde, hein, qui donnent une image chic de la France. Donc, il faut le remercier. Parce que ça, le luxe attaché à la France est en grande partie dû à un type comme Arnault. Entre Louis Vuitton, Dior, tous ces machins-là, il a des cathédrales. Si vous allez à New York, et au Japon, partout, il a des trucs incroyables. Donc, effectivement, la mode et le luxe, c'est assez français comme truc, hein, comme sensibilité. Et puis d'ailleurs, vous savez qu'à la Silicon Valley, vous avez un nombre de Français incroyable. C'est-à-dire qu'on a des très bons mathématiciens en France. Et une grande partie des cracks de la Silicon Valley sont français. Hein. Donc, si vous voulez, je lui dis, vous savez pourquoi la France s'en tirera ? Pour l'instant, on a un gouvernement qu'on peut critiquer, mais comme les Français, on est des râleurs. Le râleur, il est créatif, parce que quand vous n'êtes jamais content, vous êtes créatif. Donc, on s'en tirera à cause de ça, la France. Bon, il va se passer, il va y avoir des problèmes, peut-être, mais comme on est hyper créatif, eh ben, on s'en tirera à cause de ça. Voilà mon diagnostic. Bonjour, j'ai une question. Actuellement, tous les entreprises, surtout les firmes du luxe, disent qu'ils doivent focus en Chine ou d'autres marchés
émergents. Donc, à votre avis, si les firmes ont déjà fait assez d'attention sur les marchés émergents, ou si il est possible qu'il ait fait trop d'attention sur les marchés, donc il va nuire à l'image de ce marque, ou il va nuire à le marché original. Je m'excuse, j'ai pas, vous avez compris, hein? Est-ce que votre question, c'est de savoir si on a déjà fait tout pour innover, c'est ça? Oui. Sur les marchés étrangers? Oui. Non, le marché émergent. Sur les marchés émergents. Non, je crois pas, si vous voulez. Il faut l'adapter à la mentalité. Bon, si vous voulez, quand je vous disais que, si vous voulez, quand on était aux États-Unis, par exemple, si vous voyez les publicités que faisaient les Américains pour la marque Lancôme, on était horrifiés. Hein. Quand on faisait les promotions avec les baguettes de pain, les types à Paris hurlaient à la mort, mais ça plaisait. Qu'est-ce que vous voulez ? Bon, en Chine, alors si vous voulez, en Chine, vous êtes chinois ? Oui, en Chine, hein, le cadeau, ça compte beaucoup. Hein, on fait des promos, etc. Au Japon, il ne faut surtout pas faire de promos. Au Japon, la promo, c'est interdit. Donc, si vous voulez, je ne pense pas, parce qu'il y a une espèce, heureusement, une belle image encore de la France, due peut-être un peu à des gens comme Arnaud, hein, qui fait que, oui, il faut l'adapter, parce que chaque pays a des caractéristiques et a des sensibilités propres. Donc, il faisait comprendre ses sensibilités. Hein. Alors, d'ailleurs, vous verrez, dans mon bouquin, je parle un tout petit peu des femmes de ma vie. Ça, je m'excuse, hein, c'est pas très joli de parler de ça. Bon, moi, pour piger certains pays, j'ai souvent eu des copines dans ces pays-là qui m'expliquaient, qui me décodaient, parce que les femmes, autrement, on voit rien. Hein. On comprend rien. Bon, et les femmes, elles savent vous montrer les trucs. Au Japon, vous savez, un film japonais, la préparation de l'intrigue, si vous voulez, elle est extrêmement longue. Puis d'un seul coup, hop, hop, etc. Alors, ça traîne, vous vous endormez, puis au moment où il y a la chose qui se passe, ben, vous la loupez. Bon. Alors, quand on vous explique ça, à ce moment-là, vous comprenez. Bon, et les femmes, elles savent très bien faire ça. Hein? Bon. J'appelais ça mes périscopes. J'ai dit, les périscopes, j'avais l'impression d'être dans un sous-marin auquel on ne comprenait rien. Et vous avez les femmes qui regardaient à travers le périscope et qui m'expliquaient. Vous voyez. Et ça, c'était très important. En Amérique, ça a été très important. Au Japon aussi. Pardon ? En Corée aussi. Ah, pardon. Oui. En Corée, en... Voilà, c'est, si vous voulez, les femmes, elles savent nous faire voir. Nous, on est les hommes, quand on ouvre un frigidaire, on voit rien. Hein. Bon, alors, vous imaginez comment on peut voir les choses dans les pays. Donc, les femmes, elles savent très, très bien voir les détails. Oui. Bonjour, j'ai aussi une question. On parle souvent des femmes dans les cosmétiques. Et moi, je voulais savoir quel avenir pour vous, à votre avis, chez les hommes dans le monde de cosmétiques de luxe, et plus particulièrement dans les pays émergents tels que la Russie, par exemple. Ah, vous êtes russe ? Non. Non. Je suis russophone, mais je ne viens pas de la Russie. Ben, non, mais bon, les hommes, ça a été une assez grande déception. Maintenant, ça commence. Mais les hommes, si vous voulez. Dans la pratique, c'est marrant. Un des premiers, une première compagnie, c'était Clinique. Clinique pour hommes avait fait un très beau succès. Alors pourquoi ? Parce qu'il y avait beaucoup d'homosexuels. Hein, hein, et puis, en plus de ça, comme c'était les mêmes produits que les produits Estée Lauder ou les produits pour femmes, les femmes avaient réalisé que les produits pour hommes étaient moins chers, les mêmes produits étaient moins chers. Donc, ça avait marché, on s'est dit, ça y est, le marché part.
et puis il n'est pas parti du tout, en fait. Hein. Et en fait, alors les parfums, oui, il y a des parfums, les aftershaves, mais autrement, c'est, pour l'instant, il n'y a pas encore beaucoup de... Alors, sauf, par exemple, au Japon ou en Chine, où les produits pour cheveux sont très, très importants. Hein. Les airs toniques, les airs liquides, les choses comme ça, c'est très, très important. Hein. Oui, ça dure plus longtemps, c'est pas de ma faute. Hein. Oui, alors, on m'entend. Donc, c'est plus simple. Vous parliez des femmes et de l'importance des femmes pour comprendre la mentalité d'un pays. Alors, comment envisagez-vous justement la place des femmes et surtout le rapport des femmes aux cosmétiques dans les pays du Proche-Orient ? Voilà, oui. Écoutez, c'est une bonne question. Bon, il y a beaucoup d'hypocrisie, elles sont cachées derrière leur burqa, etc. Mais chez elles, elles sont hyper coquettes. Hein. Hein, notamment en Iran, c'est incroyable. En Iran, elles sont très, 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 très. L'Iran devient un marché très, très important. Hein. Et c'est d'ailleurs marrant, moi, à une époque, au moment du Shah, j'avais lancé c'était très, très. J'avais un agent en Iran. Et si vous voulez, on vendait des mascaras. Bon, des mascaras. Bon. Et à l'époque, on s'est trompé. Alors, l'agent voulait commander 14 000 produits. Et puis, en fait, il a commandé 14 000 douzaines, parce que on ne comprenait pas très bien le langage. 14 000 douzaines. Alors, l'Iran est devenu un des premiers pays du monde à cause de ça. Mais les Iraniennes sont extrêmement coquettes, mais elles font ça chez elles. Donc, si vous voulez... Alors, le vrai problème dans les magasins, c'est compliqué, parce qu'effectivement, ce sont les hommes qui viennent... On peut pas avoir de vendeuses femmes, hein, parce qu'ils sont un peu machos. Bon, alors, ce qu'il y a, c'est qu'on vendait un peu des vidéos dans lesquelles on expliquait les choses. Donc, comme ça, ils pouvaient juste passer la commande. Mais c'est pas très simple, on est d'accord. Plutôt quand elles ont leur masse de cuir, en plus de ça, dans le golf, là, c'est pas très joli. Voilà. Merci beaucoup. Merci.